Alors juste petite dédicace à KTOZ Man. Alors je sais pas si je l'ai déjà fait cette dédicace. Je sais strictement rien, je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps, ça fait au moins plus de 3 semaines qu'il m'avait demandé, donc je sais même pas si je l'ai déjà fait la dédicace. En attendant, petite dédicace à KTOZ Man. Petite dédicace. Et aussi petite dédicace à Levi Pro du Gaming. Petite dédicace. Alors juste avant de commencer, petite dédicace au clan Timourson. Donc son hashtag c'est 29 0V0YPR. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour contre Antoine.m qui pleure un petit peu et qui est niveau 9 aussi. Donc petit sourire, petite bonne chance. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer du dragon, je sais pas pourquoi. Alors ce deck n'est pas moi, ce deck est à CR7 Ryan FR, voilà. Et en fait ce deck à la base il est pas exactement comme ça. Donc à la base il y a du dragon de l'enfer, seulement je n'ai pas le dragon de l'enfer, tu vois, je suis pas Oh merde. Bon c'est pas grave, j'ai pas le dragon de l'enfer, donc du coup j'ai mis une tour de l'enfer, ce qui me paraît assez logique. Et j'ai pas comment ça s'appelle? Et j'ai pas aussi de mineur. Parce qu'il y avait du mineur à la base, et seulement j'en ai pas. Du coup ce que j'ai fait, je me suis dit tiens on va être intelligent pour une fois. On va mettre le fuyant gobelin, ce qui ressemblait le plus au mineur, hein, fuyant gobelin, ça me paraît logique. Ça ressemble au mineur, voilà, donc du coup bah tranquillou. Wow, ah ouais quand même, on a fait du taf et tout, les gobelins ils ont bien résisté, hein. En plus on les voyait pas derrière et tout, t'sais. Ils étaient bien cachés, genre en mode ouh. Bon, on commence plutôt bien, on va pas se le cacher, on commence plutôt bien. En plus c'est du molosse de lave, moi j'aime bien le molosse de lave, tu vois, on va pas se le cacher. J'aime bien cette troupe, du coup bah je me sens déjà un peu plus à l'aise à ce niveau de, au niveau de ce deck, mais ah c'est pas forcément encore ça, hein. Mais bon, malgré tout ça passe. Oh attends, il y a moyen qu'on fasse du taf en mettant ça. Là, qu'est-ce que tu as à faire là? Hein? Bah ouais, mon gars, t'as le seum là. Hein. Regarde-moi ça là. Pouh là là. Non, il va taper. Oh, j'ai cru qu'il allait taper quand même. Hein. Oh, le taf. Oh, le taf. Wouh. Oh. Ouais, c'est quoi ta vieille boule de feu là? Elle servait à rien, tu sais. Ça, c'est bon ça. Bon, bah nickel. Alors, tu sais qu'on va envoyer un petit molosse de lave là. Oh, ça fait plaisir là. Hein. Pouh. Bon, après, on va essayer d'envoyer les barbares par exemple. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on fait comme on peut, hein, disons que... On attend. Ok, nickel, on va envoyer ça tranquillou, regardez-moi ça. Hop là, on envoie ça là-haut. Et puis là, il se fait défoncer, j'en suis sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la horde de gargouilles pour défendre. Et puis là, je pense que... Ouh, les flèches quand même. Ah, mais bon, malheureusement... Ça fait du taf quand même. Ah, la boule de feu pour défendre encore plus, dommage. Mais malgré tout, on le tient quand même, on le tient. Mais il y a moyen qu'il nous explose si on défend pas trop, donc on va éviter de refaire la même chose, parce que bon, j'avoue que ça fait mal. Ouh, attends, on va mettre le dragon. On va mettre les barbares, qui normalement devraient défendre un minimum. C'est bon? Quand même, oh, il m'a quand même défoncé un barbare en zone chrono quand même. Hein. Ça, il faut le noter. Hein. Alors j'espère que ça va aller vite, 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 vite. Ah malheureusement, oh ça va. Mais bon malheureusement ça te défend à mort. Ah qu'est-ce que je te dis. C'est pas grave, c'est pas grave, on va y arriver. Alors toi, tu vas, non mais qu'est-ce que tu fais avec tes vieilles flèches là. Ah oui ça par contre ça fait mal ça. Ça va. C'est chaud les gars, c'est chaud. Attendez, on va y arriver. Oui c'est bon. Oh, arrête avec ta boule de feu là. Bah alors là c'est pas grave, on va te prendre le 2 étoiles. Non mais tu joues à la boule de feu, je peux pas te faire confiance. On va... Non mais c'est pas grave, on joue à... Tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. Ok, non mais bon, le mec, c'est bon quoi, tout de suite. Il est fou. Eh ben magnifique, regardez-moi ça. Hop là, on envoie des flèches aussi. Voilà, tranquillou. Non? Bah c'est pas non plus... Arrête de jouer à la boule de feu. Bah non mais c'est bon, moi j'abandonne, moi si c'est pas... avoir. Mais non, pas bien joué, tais-toi, j'ai même pas envie de te parler mon gars. Ah non, mais non, entre amis ça se fait, mais pas quand on est en compétition comme ça, oh, bordel de merde. Bon, en attendant, on était contre Antoine, le tour de magicien. Oh, Antoine le magicien, Antoine point magicien. Eh, Antoine le magicien, ça c'est puissant ça, c'est puissant. C'est pour ça qu'il envoie des boules de feu, c'est un magicien le mec. Tchou, tchou. Enfin bon, en attendant c'est pas très grave, hein, voilà, c'est la règle du jeu, comme ça, qu'est-ce que je te dise. Hein. C'est typique de Clash Royale, hein,
C'est toujours comme ça. Bon, en attendant, c'est pas grave, on a perdu, qu'est-ce que je te dise. En attendant, ce deck est... Ouais, ce deck est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. J'ai absolument voulu avoir les trois couronnes, parce que je pensais que ça... Pas, j'avais envie, voilà, c'est comme ça. J'avais envie d'avoir les trois couronnes, du coup, ça m'a payé... Enfin, ça... J'en ai payé le prix, et du coup, il avait réussi à détruire ma deuxième tour. Si je serais allé directement sur la deuxième, j'aurais défoncé comme c'est pas permis, mais bon, malheureusement, c'est pas ce que j'ai fait. J'avais pas envie, voilà. Donc, c'est pas grave. Et puis, avec sa boule de feu, tout ça, je pouvais rien faire, hein. Je peux pas intercepter une boule de feu. Je suis pas, Dieu, hein, voilà. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Je vous dirai une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas, moi, c'était cool!